Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en ce début d'année. Donc ce sera la première vidéo de l'année. Hein, je vous souhaite déjà une bonne année pour ceux que j'ai pas eu sur les lives YouTube. Donc aujourd'hui on n'est pas très loin de chez moi sur une commune qui s'appelle Pincé. Et je suis accompagné de Cyril que je vais vous présenter, qui m'a contacté via Facebook, qui a eu un aimant pour Noël et qui souhaite vraiment se mettre à la pêche à l'aimant. Donc ben, on est en train de pêcher ensemble afin d'apprendre un petit peu à se connaître. Et puis par la suite, vous le découvrirez peut-être dans d'autres vidéos sur le Mans. Voilà. Donc je vais vous faire les présentations. Regardez bien cette vidéo jusqu'au bout. Pour la simple raison que Cyril a une super astuce pour plier les cordes et que ça ne fasse pas de nœuds. Donc on vous expliquera tout ça en fin de vidéo avec une petite démonstration. Voilà. Allez, on se retrouve tout de suite pour la présentation de Cyril et les trouvailles. Et puis n'oubliez pas, pensez à vous abonner, à cliquer la cloche de notification, c'est très important. Hein, au jour d'aujourd'hui, on est à peu près 2300 abonnés sur la chaîne YouTube. J'espère qu'on passera les 3000 très rapidement. Donc je compte sur vous. Voilà. Donc là, on a Célène qui a 10 ans, qui est la fille de Cyril que je vais vous présenter après et qui aurait quelque chose. Donc on va regarder ce qu'elle nous sort. Ah! Eh ben rattrape-le, c'est pas grave. Tu vas la rattraper. Elle avait bien quelque chose, on a commencé à le voir. Ah, il est là, je vois. Pêche à pommes. Allez, vas-y, essaye de. Remets ton aimant au bord. Regarde. Regarde. Voilà, donc on se retrouve avec Célène qui a pris mon aimant pour retrouver son objet. On va voir. Vas-y. Ah ouais, bien. Et bah voilà, une belle trouvaille. Alors, l'aimant il est bien chargé, hein, CN. Hein. Oui. Alors, qu'est-ce que t'as de beau? Un guidon de vélo. Un guidon de vélo. Et. Alors, celui-là il est bien ancien, hein, le guidon de vélo. On va le montrer à la caméra. Il est bien cuit. Donc là, il y a un guidon de vélo. Et là, je sais pas. Et ça, qu'est-ce que c'est? La même dévis sur les mots. Alors attends, on va regarder. Qu'est-ce que ça peut être, ça? Ça. Je sais pas ce que ça peut être. On va voir. Voilà, une petite vis sur les mots. C'est pas mal. Voilà. Donc voilà. Donc ça, Célène, hop, 10 ans. Hop, et elle vient de pêcher un guidon de vélo. Nickel. Donc là, on a Calvin et Sloane, ils ont 9 ans. Et là, eux aussi viennent de faire une petite trouvaille. Alors je vais vous montrer, ils ont des aimants néodymes, mais de très 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 petite taille, qui font grosso modo à peine plus gros qu'une pièce de 2 euros. Et voilà, eux aussi, ils dépolluent. Une petite lame métallique, c'est sympa. C'est une petite trouvaille, on va la détacher. Je vais vous montrer leur aimant vraiment à la caméra, parce qu'ils sont vraiment tout petits. Hein, c'est des tout petits aimants. Mais en attendant, ils collent bien. Et c'est des vrais aimants néodymes. Bon voilà, on se retrouve là. Je vous présente Cyril, qui viendra certainement pêcher avec nous sur le Mans, en fonction de ses disponibilités. Il est équipé d'un aimant de 250 kg en double face. Et on a changé de spot parce qu'en début d'après-midi, on n'était pas là. On était sur le spot où on avait fait les scooters, l'extincteur avec Aurélien, tout ça. Et bizarrement, depuis qu'on est arrivé, il n'arrête pas. Il n'arrête pas d'en sortir. Alors je vous montre. Il a commencé par nous faire ce grand morceau. Il y a déjà plein de petits objets dedans. Voilà, là c'est un morceau de bateau en bois, mais il les a chopés par les boulons. Là, voilà, donc là il n'arrête pas. Voilà. Donc Cyril, il nous a contacté via Facebook pour nous informer qu'il commençait la pêche à l'aimant. Et puis, on s'est donné rendez-vous, voilà, et on pêche ensemble. Et puis à la fin de cette vidéo, Cyril montrera son astuce pour plier les cordes de façon qu'on ait le moins de nœuds possible.
Ça, ça peut aider tout le monde. Donc on se retrouve après pour les trouvailles. Oh. Ah, belle trouvaille. Oh, bah ça, peut-être que papa, il va en avoir besoin pour décrocher son aimant. Demande au gars. Bon, bah félicitations. Bon, voilà, la journée se termine. Ah, le soleil est en train de se coucher. Cyril est toujours à l'action. Ah, mais attendez, vous l'avez pas vu? Il y a Pikachu qui est arrivé. Enchanté. Ça fait longtemps que vous l'avez pas vu. Hein? Bah ouais. Vous voyez, il est pas mort, il est là. Première vidéo de 2020. Bon, allez, je vais vous montrer ce qu'on a sorti. Bon alors, on va commencer par là. Donc là, il y a tout le bloc de ferraille là, des merdouilles, une grande planche de bateau. Ah, il y a plein de merdouilles. Hein. Il y a un peu partout. Il y a le guidon de vélo qui est là. Hein? Ça, c'est le guidon à... Ah, Aurélien. Aurélien! Faut que tu rentres à la maison avec le vélo! T'as la roue? Ah non! Ah, t'aurais la roue, je serais. Donc voilà. Et là, on retrouve Cyril. Cyril est toujours au taquet. Il est super motivé là. Il a fait des belles pièces là. Là, il y a une masse. Il y a plein de petites merdouilles par terre. Hein? Quasi à bouteille. Ouais, quasi à bouteille et tout. Il y a de quoi faire par là. C'est une petite dépollution bien sympa pour reprendre la pêche à aimant cette année. Et puis après le décompli, Cyril nous montrera sa technique pour piller la corde. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Bon, déjà, il n'y a pas de poudre. Non, comme un truc de lance. Ouais, on dirait une espèce de lance de l'ancien temps. Ouais, la forme, c'est beau et tout. Jean-Philippe ? Ah, bien. Je pense que ça y est. On finit la journée. Cyril donne un cours pour ranger ses cordes afin d'éviter les nœuds. Alors prenez-en de la graine. Alors montre-nous ça. Ah bah oui, nickel. Une première boucle toute simple. Une première boucle toute simple, c'est bon. Ensuite, ah, c'est le tien. Vous reprenez. Bah non. Oui. On va faire comme ça. Bon, allez, regarde. Ouais, regarde. Prends des cours. Attends, je vais filmer moi avec le. Avec ouais, la lumière. On manque un peu d'éclairage. Donc, après, vous prenez la deuxième partie. À l'intérieur. Et il fait des boucles comme ça tout le long de sa corde. Jusqu'au bout. C'est juste un petit jeu de patience. Non, mais si ça gagne du temps à la fin. Ben voilà, c'est tout bénef. Bon, alors l'intérêt, c'est que quand il va la défaire. Bah ça bloque pas. Et vous avez juste à tirer au bout et tout se défera. Il n'y a pas de nœud. Sur 20 mètres c'est long. Bah c'est une bonne astuce, ouais. Sur 20 mètres ça fait long mais ça fonctionne bien. C'est un gain de temps pour la prochaine pêche. Ça évite de la démêler. Après, tu peux la mettre à sécher comme bon, ça. Nous, Aurélien, c'est mort. Hein. Nous, on peut pas faire ça. Hein. Non. Nous, on a fait les poignets. Voilà. Et à la fin, j'ai fini. Nous, c'est bon. Terminé. Et pour la défaire. Vous filmez ? On ouvre. Il n'y a plus qu'à tirer jusqu'au bout. Voilà. Ça, c'est l'astuce de Siri. Alors, faut qu'on s'entraîne hein, pour plier les cordes. Comme ça, on gagnera beaucoup de temps en bord de haut. Tu veux t'entraîner avec quoi comme corde ? La mienne. La grosse corde de. Ah ouais, la grosse corde de bateau.